Coucou les amis, je domine Monsieur Lennon qui me rejoint. Salut Bob. Ah, ah bon, je te trouvais pas en fait. Ah, t'as une super vue de l'explosion. Bonsoir Fanta, un plaisir. Ah putain, bien. Tout va bien. Ouais, Ah, je suis donc fier de moi. on est de retour sur la map Assassin's Creed qui est une map parcours avec des challenges et des blocs de laine à trouver. Les challenges sont marqués par des gros blocs de laine en hauteur et on en a déjà fait quelques-uns. Il y a juste le noir là-bas qu'on n'a pas fait. Et puis on s'apprête à faire le rouge peut-être, si t'es motivé. Exactement. Et eh bien allons pour le rouge. Fanta, on est motivé. Tu as récupéré le cube de laine, by the way? Oui. Parce que j'ai tout fait péter, mais j'ai pas réfléchi, moi. Oui, je l'ai pris. Connais. Ah bah nous deux, on doit faire un cerveau complet. Ah merde. Facile. Oh yeah, trop fort. Hop, et j'ai une plume. Et là, en équilibre, ouais, le Fanta Creed. Fantacrid. Le Destasio 974. Le Destasio. Vous pouvez maintenant soumettre vos artworks. Hein. Vas-y, je t'en prie. Hein. En fait, moi, je vois trop bien le gars d'Assassin's Creed, mais tu sais, avec deux grosses lunettes. Tu J'imagine que Ray va pas tarder à en faire un, il suffit que tu ouvres la bouche pour Ouais, Ray ça. va craquer du coup. Ah non, mais elle devrait être en vacances, je crois, il me semble, en tout Elle cas, m'a avec fait ses un dessins absolument magnifique exceptionnels. Deus Ex. Oui, on remercie Ray au passage avec ses dessins carrément exceptionnels qui permettent d'aiguiller la chaîne, ne serait-ce que par des artworks de très très bonne qualité. Ouais, et il Un n'y a gros pas bisou. qu'elle, hein. Il n'y a pas Un gros qu'elle, il y a bisou à. Joe Willem, il y en a plein. C'est ça, un gros bisou à Joe Willem et à Nio aussi au passage. Et Il y ah, je suis a Joe monté en Willem qui ratio. était mort de rire avec le fond taliban. Je vois que les amateurs de Call of Duty ont vachement apprécié. Oh putain. Ah, moi c'est le Troll! c'est le caca. J'avoue, tu m'as tué avec le. Mais elles sont où les meufs? Là, quand tu te souviens, quand tu me l'as fait écouter celui-là, j'étais Ouais, mormé pendant un cul. carrément. Alors là, ouais, là, il y a un piège. De Il y a toute un façon, piège, il y a deux tranquille. personnes que je veux faire rire dans la vie, il y a Bob Lennon et ma maman. À partir du moment où il y a eux qui rigolent, les autres, hein, je leur roule dessus. Ah, bizarre. Ah. Ça me bat droit au cœur. By the way, j'ai une bonne nouvelle dans ce coffre. Oui. Ah yeah, on a réussi! Je casse le coffre comme ça. C'est une église. Ouais, whatever. Fuck Oh, une it. araignée. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait le pourpre là-bas ou on retourne à le vert, on l'a fait ou pas? Ouais, j'arrive, ouais. Une seconde. Non, le vert, on l'a pas fait, il faut descendre dans les escaliers. Ah, mais t'es en train de foutre le feu là, non? Ouais, mais je gère, je gère. C'est bon, attends. Maintenant, il faut courir, Fanta. C'est bon, t'as plongé? Ouais, j'ai plongé. Attention. Tu regardes la tour. Bien. Super, ça rend juste trop bien, j'adore. Ok, donc nous sommes dans un parc avec de l'herbe et des arbres. Et attends, sous l'eau, il devrait y avoir un quelconque Ouais, secret, je il y a un pense. coffre et un zombie qui me course. Voilà. Et il y a Bébel qui se tape l'incruste dans l'épisode. Il y a une espèce de fond sous-marin, si je ne m'abuse. Il y a tout un dessous de map, en fait, j'ai l'impression. Mais je crois pas qu'il ne mène quelque part. Sous le pont, par contre, il y avait un coffre. Oui, j'ai pris la plume. Excellent. Les fleurs Mais sont excellent, très jolies voilà. avec ce pack. Tout à fait, tout à fait. Tout ça est absolument magnifique. Je fais exploser le pont, ah, comme dans Rambo, ah, bébé, je vais Oh, exploser, putain. enfoiré! Mon mouton! Ah, et j'ai gagné un cube de laine, tu me diras. Bon, il compte pas. Si, si, il pourra servir de J'ai fait joker. exploser le pont. C'est la stratégie de la guerre, ça, France. Ça faut toujours faire péter les ponts. Ouais, c'est clair. Bon, On n'a pas regarde fait là, le il y a noir du. là-bas. On fait le noir? Attends, regarde là. Il y a du vert, il y a une catacombe. Enfin, il y a Ah des oui, catacombes. allons nous faire la catacombe. Yeah! Donc c'est une tombe, les vers, c'est des tombes. D'accord, je t'en prie. Hop. Oula, Oh! ouh. Ouh, putain, en tout cas, les environnements sont bien refaits, tu vois. Autant tout à l'heure, on a fait un parcours sur les poteaux, comme dans Assassin's Creed 2, effectivement, tu sais, où Ezio marche sur des poteaux. Et là, on est vraiment dans les catacombes, tu sais, où tu trouves généralement une pièce d'armure Oui, de. excellent. Soit c'était les pièces d'armure d'Altaïr dans Assassin's Creed Si, c'est 2, je ça. crois que dans Brotherhood c'était l'armure de Brutus.
L'assassin de César. Je l'ai pas fini, Brotherhood. De Brutus. Et dans le 3, je ne me souviens plus. Je suis... Enfin, pas dans le 3, dans le 2.3. Je ne me souviens plus, je suis désolé. Mais celui-là ne m'a pas laissé une grande marque dans l'esprit. Je dois vous l'avouer. Bah, ils commencent à faire chier à pas renouveler leur moteur graphique, hein. Oui, ça, je suis d'accord, mais surtout que l'histoire d'Ezio aurait pu être résumée en 2 épisodes. Et puis, ah fuck! Et puis, comment dire, l'Ezio qui a 55 ans mais qui arrive à se choper une petite vénitienne de vin, moi, ça me laisse rêveur. C'est bref. réaliste, c'est ré... S'il est riche. Mais il est pas riche, justement. Enfin, je veux dire, j'ai pas l'impression qu'il soit riche, Ezio. En fait, son vrai nom c'est Rocco, c'est pour ça. Ouais, je crois vraiment. C'est par ça, je vois. J'ai pas de solution pour passer là. Si, il fallait juste faire un sprint. D'accord, c'est moi qui ai foiré mon sprint, donc. J'étais persuadé de l'avoir réussi. Bah, champagne, continue, pro. Non, non, je t'attends, on va filmer le Lennon en action. Ouais. Me dire, voilà. Et puis, je vais me mettre sur un sneak sur le bord pour bien t'empêcher de passer. Moi, je vous avoue que j'étais inquiet parce que dans Assassin's Creed 2.3, donc, le Révélation, le dernier qui est sorti, on apprend comment ça passe. Comment, voilà, Ezio, il a fait des bébés, hein, et donc il a eu de la descendance, et t'aurais pas dû appuyer dessus si c'est bon. Cool. Et eh ben, je vais ah, rester sympa. Dessus. Non, non, je crois qu'on peut y aller. C'était juste un bon petit système Redstone. Ah, moi, je pense que voilà. Ah ouais. Oh, purée. Dommage. Ok, c'est possible. Ah! Ça va être possible. Ça va être possible parce que je suis génial. Fuck. Bah ouais, ça marche que sur les plaques en bois. Comment faire? Ah purée, il faut aller plus vite que la musique. Il faut que je sprinte. Ah, heureusement que tu m'as tenu le truc. Ouais, non, non, ça, attends. Ça va pas être jouable. Ou tu restes que sur les bords. Non, dommage, dommage, je l'avais là, je le tenais, j'avais l'idée. Tu veux te TP sur moi? Ah fuck! Je trouve qu'ils sont un peu ambitieux, enfin, sur ce coup-là. Tiens, monte sur ce coffre. Voilà. On a bien fait de les ramasser. Merci, coffre, je n'oublierai jamais ton aide. Pas de quoi, caca, caca. Formidable. Donc pour ceux qui ne savent pas pourquoi on dit caca, caca, caca ou caca, c'est parce que c'est devenu cultissime dans le playthrough de Bob Lennon. Alors là, il va falloir que tu montes et que tu... Hop là. Oh, oh. Tu aurais pu, c'est bien oui. Foutu comme système de passage, si je puis me permettre. Hop. Enfin, c'est aussi bien foutu que puisse être le concept qu'un être humain puisse nager à contre-courant une chute d'eau, mais... Bob Lennon utilise surf! C'est super efficace! Enfin, normalement, c'était pas surf, c'était la technique cascade! C'est bon, c'est passé. C'était la technique cascade, je crois. Et même une technique qui s'appelle. Attends, je prends des grandes respirations là, parce que je vais bientôt me transformer en Dark Fanta. Il faut pas faire chier le Dark Fanta, hein, c'est la règle. T'en fais pas, je place déjà les TNT. Oh non, j'avais réussi, j'ai rebondi bêtement! Alors, c'est pas grave. Ok. Ok, on maîtrise, tu maîtrises? Ouais. Oh, joli! Joli, joli. Donc, sprint. Joli, joli! Et là, tu me la refais en étant précis parce que t'as plus qu'un cube pour te réceptionner. Toum, toum. Coup de bol. Sans regarder. Et là, si j'y arrive pas, c'est un TP, hein, parce que j'ai pas fait tout ça pour recommencer. Ah 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 c'est pas grave, c'était beau. T'y étais. T'as glissé sur une peau de banane. J'ai vu tout ça, monsieur le juge. C'était malheureux. Il y avait quoi dedans? Oh, un cube. Je sais plus combien tiens. On en a 5 en tout. C'est pour ça. Pourquoi t'as cassé les échelles? J'ai pas cassé les échelles. Si elles sont tombées. Ah bon, bah c'est pas. Tu me diras. Tiens, je peux plus les replacer. Pourquoi? À cause de tes cubes, je crois. Ah bon, on peut pas avoir de. Tiens, une petite mandale au passage, hein, gratuité. Bah tu t'en fous, escalade. On va faire un truc, hop. On peut plus les attraper au vol. Recule un peu, hop, voilà. Hop. Merci.
Et là, tu passes. Voilà. Et moi, du coup, je... Vous la connaissez, la musique de Rambo, maintenant. Hein. C'est d'air. Je vais essayer de monter plus vite que la musique, une fois que toute cette merde sera activée. Moi, je sors au cas où. Ouais, tu fais bien. Je regarde le Lennon exploser. Fuck, 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 fuck! Ah, je n'ai aucun regret! Blablabla! Classique. Alors, direction la maison. Oh, il y a un petit cochon qui s'est glissé par là. Merci d'avoir utilisé le système de clonage Lennon & Co. Votre clone Lennon est prêt à être utilisé. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Comme les robots lors de la première activation. Bonjour, voulez-vous entendre les trois règles de la Lennonie? Trois règles de la bonne Lennonie. Règle numéro 1. Le gars. Avec la grosse présentation et tout. C'est pas grave, j'ai 3, retrouvé des... 4, 5. Bon, un bonus, c'était celui de Bébel, qui nous servira sûrement. 1, 2, 3, 4, 5. Il nous en reste 4, Bob, on est motivé. Exactement. On se fait le noir? Excuse-moi, mais c'était juste dit du même air que eh, sont où les bœufs? Alors on se le tape ce noir ou bien? Excuse-moi, c'est diablement raciste. Je m'excuse, cher public. Mais non, c'est pas raciste. Et il n'y a pas de noir en fait, ça sert à quoi? C'était juste dit de manière si bien. C'est Fanta par là. Dans la maison même? Là, Fanta. Bien gentil, Ah oui! Et... en boule Fanta. Pardon. Oh putain! Ah! Seems easy enough. Yeah! J'ai réussi! Et je vais sauter, me péter le tibia par ici. Hop! Ta-da-da. Oh là 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 là! Ok. Hop. Ah ouais! Bien, bien! Ah, c'est fait! Bravo, champion! Ah, une Merci. bibliothèque! Elle est belle! Shit. 20 000 lieues sous les mers. Oh là, Fanta, la section porno! Alors, Godzilla, Titanic. Blanche fesse à Blanc. cette main. Exactement, c'était ce que j'étais en train de regarder. Il est en DVD aussi, c'est. Matrix. Pompier en chaleur. Le seigneur de l'anneau. Le seigneur Le des seigneur anneaux. d'Anus. C'est ça. Ou alors la version Batman de Benzaï. Ya! Ouf, ça, je maîtrise. Ya! Ouf, je maîtrise. Je maîtrise. Ah non. Alors, j'attends que tu sois arrivé. Ouh. Ouais, t'as pris un risque en attendant que je sois arrivé. C'est bon, je suis. Ah Oh. Ouais. Ça, c'est l'art de l'ellipse. Ah merde. Pardon, excuse-moi. Pas mal. Donc le noir, c'est fait. Regarde un autre coffre qui était caché derrière la rue. Caca. Il y avait quoi dedans, une plume? Plume. Absolument rien Alors, d'intéressant. rose, on l'a fait le rose. Oui, ça me dit quelque chose. Dis quelque chose, ce rose. Le vert, on l'a fait. On n'a pas fait le gris. Allons faire le gris. Gris. Moi, je passe pas par les rues, je passe par les toits comme un Je vais ninja. poser, avant d'aller faire le gris et de me téléporter sur toi comme un gros yinche, je vais aller déposer le cube à sa place. Et ben moi, je me mets de manière à ce que on puisse faire du parcours ensemble. Toujours pas trouvé la réserve de cannabis, par contre, hein. Ça fait chier ça. Non. Et là, je Évidemment, cherche désespérément la maison. bien évidemment, le Fantabo Show ne supporte aucune forme ou type de drogue suscitée ou cisnommée dessus. Si vous n'aimez pas le langage qui est dans le Fantabo Show, éteignez cet épisode et empêchez-le de le montrer à vos enfants. Devenez des parents responsables et faites votre boulot.
Exactement. Sinon, amusez-vous! Puis il vaut mieux fumer la canne à sucre. C'est bon pour le diabète. T'es trop con. Quoi, regarde, il y a des beaux posters. Ah, il y avait plusieurs posters qui étaient disséminés. Oui, il faut les arracher, paraît-il. Et hop. GG Fanta. Ensuite, donc oui, tu voulais faire lequel? Le vert, mais... C'est lequel qui est au-dessus de notre tête? Le gris, mais il a explosé, tu vois, la tour a... Ah bon, on l'a déjà fait alors? Ouais, celui-là, il est mort, ouais. Ce coffre est vide. Oui, le gris, on l'a déjà fait. Bah, on va aller de l'autre côté de la ville. Bah ouais, non, bah on progresse un petit peu, regarde, dans cette direction, je peux le 10, 2, F3, trouvé. Je vais me TP sur toi. Non mais je suis là. Ouais, je vais. Alors, par là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Alors le rouge, on l'a fait, j'ai le fait pourpre, péter la... Le pourpre là-bas. Ah, c'est pourpre ça? J'aurais dit que c'était violet. Alors attends, je me fais un petit escalier en sandstone. C'était pas nécessaire. Non, il n'y a pas de chemin par là. Ah. Il faut faire le tour du bâtiment, c'est tout. Puis si tu veux passer à travers des murs, fais ça proprement, c'est pas vrai ça. Attention, Fanta. Regarde ça, retourne-toi. Bam! C'est comme ça que je passe! Drum, dum, dum. Une belle vigne. They hated. Alors, c'est parti, on avance. Le lapis est très joli. Je suis désolé, mais il y a une belle vigne qui m'empêche de passer. J'ai un petit peu de lag quand même. See me blow things with my TNT. Ok. Bon, même si techniquement l'agencement grammatical de ma phrase était très mauvais, mais bon, je suis français, j'ai le droit de faire des erreurs. Alors, purée. Yeah! Ouh, j'ai raté mon coup. Celui-là, j'y arrive, c'est le suivant que j'y arrive pas. Et enfin, c'est que je retombe bêtement tout seul. Pour prendre de l'élan. Ah, bravo! Easy shit! Ah ah, pareil. Aussi facile que de manger des bébés hirondelles. Le monstre, tu sais. Ah! Ah là, il y a un piège. Ah, je me suis fait avoir. Et puis, il y a un. Il y a un levier. Ouch. Je regarde si je peux pas l'activer en sautant. Ah, ah si, j'ai réussi. Ah! Vite, vite, vas-y, fais bugger le jeu. Il a fait bugger. Ah, il y a même pas besoin de monter, t'as vu? Il suffit d'être astucieux. Hop. Ta-da-da. Ça, c'est la classe. Ah, c'est censé être un raccourci, Fanta. Est-ce que tu te souviens dans Assassin's Creed, quand tu arrives à certains endroits, d'ailleurs dans le jeu, ça me faisait marrer parce que tu sais, tu montes à une corniche, ça la fait s'écrouler un petit peu, il y a une échelle qui tombe. Vachement oui, bien. Oui, excellent. Et tu sais, moi, j'aurais bien voulu qu'il fasse juste, genre, tu sais, il y a une échelle qui traîne, le héros la fasse tomber lui-même en disant, voilà, ça pratique si jamais je me foire. Plutôt que de faire exprès que la moitié du décor, tu sais, ou de la géographie du lieu soit faite pour s'écrouler au cas où on se foire, tu sais. Alors là, il faut faire attention. Alors, je sais pas si j'ai bien fait de passer par là. Si, si, c'est le bon passage, regarde. Puis après, t'as le blab. Voilà. Ah, je suis mort. Ça t'apprendra. Hop. On ne violente pas le Lennon. Oula. Hum. Désolé, je vais essayer de me tout mettre va bien, bien. Tout va bien. Non, tout va bien, oui, mais je parlais de ton ego. J'en ai plus depuis longtemps. Il l'a vendu. Hop là. Non. Hop. Oh, sinon, Fanta, j'ai une surprise pour... Fuck, je vais crever bientôt. J'ai une surprise pour toi, j'avais trouvé... J'ai regardé un jour une émission que je ne vais pas citer, mais dont le concept est simple. Ça s'appelle Question pour quelque chose, présenté par... Batman. Non, bah, Monsieur Julien, voilà, bah, oui, par Batman, ouais. Oui, Keaton, le premier Batman. Hein. Ouais, c'est vous ça. Vérifierez, c'est bien lui.
exactement ça, c'est juste craqué. Il y avait un mec qui ressemblait exactement Oh à ton skin. non! Pardon, Ah oui? qui ressemblait exactement à ton skin Minecraft. Et on était mort de rire devant la télé, on s'est dit LOL! The Fantasio 974 s'est échappé du PC de Fanta, il participe à question pour un champion. Il était LOL! Là, en ce moment, je déconne pas mal avec The Unuro. UNEURO. Oui, non. Ouais, sur Twitter, on déconne pas mal. Et on va se faire un Crusader King ensemble. Ah bah excellent. Ouais. Et voilà. Et puis, en fait, je le taquine souvent parce que. Parce qu'il a. Sa tronche, on dirait mon skin Minecraft. Putain, ce passage me fait chier, Fanta. Ça fait Moi 4 fois aussi, qu'est-ce qu'on que fait? je... Ben, on triche. Ah, j'ai un cube de Ouais. mousse. Laisse-moi passer. Téléporte pas tout de suite. Casio. Hop, C'est regarde. 4. 1. They see me rolling. Oh, j'ai merdé. Ben non, je connais pas les commandes. Game mode, c'est collé, Voilà. pas collé. Ah, bien joué. Voilà, parce que là c'est jouable, hein. Ça pose aucun souci, mais. D'où l'explication du raccourci qu'ils ont mis, parce que c'était assez chiant. Mais ils auraient pu en mettre plein, hein. Cela dit, on a bien géré pour les autres. Non, non, allez. Pa-da. Voilà. Bon, bah, encore moins de risques. Je suis passé. C'est pire derrière. C'est pire. Fuck. Vas-y, je t'en Ah. prie. Oh, misère. Hop, on va y arriver, on va y arriver. D'accord, ouais, c'est un piège en fait, Fantas, c'est un piège, regarde, hop, là tu montes là, et là après il faut pas se coller au mur, faut viser le bout du extérieur du cube. Là je vois pas pourquoi ils se font chier à nous mettre un truc alors qu'on peut l'escalader par là. C'est du grand n'importe quoi, j'ai! Non, non, j'arrive pas. Je t'en prie, je t'en prie. Réessaye, réessaye. Ne panique pas, respire, un cube à la fois, c'est comme ça Tiens, que tu ça vas marche. voir. Voilà, alors même ça, j'y arrive pas. Ah ah. Attends, on va prendre le truc avant de tout faire Ouais, non, mais péter. par là, la Fanta, voilà. Monte, monte. On a même pas besoin d'escalader comme ça, tu vois, tu te compliques la tâche là. Hop, avec un gros slash home, hein. Parce que c'est ça qui est bon. Attends, mais slash home pas. Il faut la structure, la structure. Ok, non, de toute façon, ça n'a pas marché. Tant mieux. De toute façon, je me fais Parce que chier j'ai à. pas 7, mon homme. Hop. Et là, je vais regarder. Bob Lennon, détruire la culture. Exactement. Est-ce qu'il y a un moyen qu'on fuit? Qu'on fuit cesse. Oui, qu'on s'échappasse comme des vieilles chiennasses. Par les arbres. Ça m'a l'air doutasse, ça, quand Allez, vas-y, saute. Je vais sauter, alright, mais attends, laisse-moi manger un peu. C'est la pastèque du condamné. Ah oui, c'est vrai. A priori, c'est du grès, mais par endroit. C'est de la dynamite! Fantabob Show! C'est de la bombe! Excellent. Ha yeah ha! Bitch! J'ai nucléarisé son palais! Fuck yeah! Allez, on progresse. Yes, Où je suis dans alors. la... Ah ben non, non, je suis con, excuse-moi, c'est Le exactement de là où je rouge on vais. Hé, l'a regarde, il y a un fait, le gros gris on l'a palais fait. Oui? là-bas! Il y a un gros palais là-bas, avec du cyan, si je ne m'abuse. Ouais, C'est on bien y ça? va. Ou C'est bien azur. ça? Bah, c'est le mélange entre du bleu et du... Non, azur, c'est plus clair, bleu clair. Oui. Genre bleu ciel. Là, c'est... Je dis n'importe quoi, sans doute. De toute façon, c'est les filles qui connaissent les vrais noms des couleurs. Nous, on connaît le bleu, le rouge et le vert. Exactement, parce que nous, on est foot, bière et grosse voiture. Foot, bière et grosse voiture. Hop. C'est pour qu'on puisse passer plus tard. Ah, il y a de l'eau en Voilà. plus. Et Excellent. c'est pour leur apprendre à nous faire Oh, c'est bon. chier, hein? Ça leur apprend respect! Voilà. Fantaliban! Les bots terroristes! Bob Laden. Bob Laden, ouais. Bob Laden et Fantaliban. Une plume! Padalala. Well, fuck you, zombie! Fuck you! Ah, Il fait du moonwalk. Il est mort. Donc, On une va dans ce chèvre! magnifique palais. Une chèvre! Oui, bah laisse cette pauvre chatte tranquille, t'as une femme.
Ah, salaud! Je lui dirais. Ah putain, et fais gaffe parce qu'étant irlandaise, elle a des compétences naturelles en street fighting. Ah oui? Bon, j'ai gestion d'alcoolisme aussi, mais ça, c'est l'Irlande. Toujours est-il que. On va dans le Grand Palais? Ouais, je vais juste ouvrir ce coffre à la con qui est sur cette petite structure qui possède une plume. Padalala. Et on entre dans le palais, chers amis. Et après, je suis pour qu'on écourte notre machin en utilisant de la laine d'un mouton qu'on aura plumé pour aller dans ce purée de donjon. Y a le verre là-bas qui traîne, on peut. Ouais, on peut le Oh! faire, on peut le faire. En tout On cas, il y a va. du standing. Je sais pas ce que t'en penses, Fanta, mais je. Ça, j'apprécie les lieux. Il y a un Non, mais c'était creeper. une petite map sympa. Un creeper. Tu peux remettre le jour si y arrive. Ouais. Quoique de nuit, l'arma prend bien aussi non plus. Hein. Ça fait pas. C'est pas complètement dégueulasse, je trouve. Yes. Non. Il faut utiliser les espèces de. Je sais pas ce que c'est en fait. On se croirait dans le manoir de Lara Croft. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai passé de temps dans ce manoir, dans le premier du nom? Qu'est-ce que j'ai passé de temps à tirer sur le serviteur? Moi, je passais mon temps à lui faire faire des comment ça s'appelle? Des arbres droits. Sais Ah, qu'elle pouvait se mettre sur les mains. mais ça c'était oui c'était Lara parce que c'était dans Ouais. ton toit je tirais sur le serviteur tout le temps je lui en mettais plein la gueule le gars il venait m'apporter le thé mais tu sais il se déplaçait mais comme une espèce de creeper je faisais peur quand je te dis je croyais que c'était un zombie et tu sais comme je lui tirais dessus il perdait pas de vie en fait il bougeait pas quoi c'était Alfred Ouais, je crois que je l'ai bien tapé aussi. ouais non mais tout le monde lui en a mis plein la gueule à ce pauvre homme D'ailleurs, tu l'as vu le dernier Batman? Excellent, hein? lequel le film? Dark Knight Rises. Non. Excellent, excellent. Non, je ne l'ai pas vu. C'était semi-volontaire de ma part. Il vaut le coup. Rendu. Si vous n'avez pas peur de vous faire défoncer dans une salle de cinéma par un terroriste. Putain, oh la vache. Il y a vraiment des tarés. Ouais, c'est ça. Hop là. Bon, en même temps, tu me diras, la capacité de n'importe qu'à n'importe qui aux USA de pouvoir acheter des armes comme si c'était des slips. Oui, avec des munitions dans les grandes surfaces en plus, je crois. Ouais, moi ça me fait pareil parce que je lis en plus les gens qui défendent le droit du port d'armes et que cela. Oui, mais l'arme ne tue pas, l'arme n'est qu'un outil, c'est l'homme qui Oui, mais tue. c'est ça. Non, 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 Fanta, non, ça c'est un faux argument. Un marteau est un outil. Quelle est la fonction principale d'un marteau? Un marteau, c'est d'enfoncer des choses, notamment des clous, on est d'accord. Oui, si t'en as pas besoin, tu l'utilises, peut-être t'en as pas. Voilà. Comment tu fais pour mal te servir d'une arme à feu? Je t'explique. Pour mal te servir d'une arme à feu, le seul moyen, c'est que tu ne détruises pas quelque chose en tirant avec. Tu comprends le Oui, non, truc? non, mais je sais que moi je suis pas pour les armes, hein. Non, non, mais c'est même pas ça. C'est juste que le problème dans l'argument, du coup, c'est que. Je sais, je prêche un converti, mais je dis ça pour nos fans. Le problème dans l'argument, c'est que. Ouais, mais le flingue, c'est qu'un outil. C'est la main Ouais, de sauf que l'homme les qui mecs, ils gère. sentent. Mais non, Bah oui, non, bien sûr. sauf que le flingue, la seule, unique. Et unique et seule, et il n'y en aura jamais d'autres. Hein. Fonction d'un flingue, c'est de détruire quelque chose, que ce soit pour te Oui. protéger, que ce soit pour Si t'as détruire. pas d'armes, t'as pas la tentation de tirer sur quelqu'un. Déjà. Et ensuite, si t'as pas d'armes, ça devient beaucoup plus difficile de buter quelqu'un. Ouais, mais il y a des couteaux. Les couteaux, c'est autre chose. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités d'un couteau. Mais la fonctionnalité primaire d'un couteau, c'est aussi de couper. En C'est pour ça. général, c'est ceux qui aiment bien les couteaux qui aimeraient bien avoir des armes. Ouais, C'est des psychopathes. ça. Je veux dire, qu'on vienne pas me dire, ouais, mais ce bâtiment n'a pas explosé à cause de la TNT qu'il y avait à l'intérieur. Ce bâtiment a explosé par la main de l'homme. Oui, mais. Vous voyez la destruction que j'ai mise dans cette ville? Par Voilà. exemple, ne donnez pas Imaginez de 5 briquet à Bob secondes. Lennon. Exactement. Imaginez 5 secondes que je n'ai pas de briquet, que je n'ai pas de TNT. Alors, il va falloir que je sois inventif, créatif, comment dire, pour faire Il va mon être slogan. obligé de faire des vraies blagues. Salaud! Ah, qu'est-ce que t'as aujourd'hui, Fébien? Hop, oh putain, en plus j'y étais arrivé, j'avais réussi à monter. Il faut apparemment monter sur ce bâtiment et trouver le. Ça va pas être possible, je crois. Il n'y a pas un mécanisme. Non, ça va. Il doit y avoir. Ah, c'est. Ah, d'accord, j'ai compris par la C'est de l'autre fente. côté, c'est de l'autre côté. Ouais, voilà, c'est par les côtés en fait. Je suis trompé. Mais je veux dire, voilà, c'est pour ça. Donc les mecs, faut arrêter 5 secondes. C'est par les côtés et il va falloir. Ah ouais, il faut faire le tour du bâtiment en fait. Faut monter comme t'as fait, mais faire tout le tour du bâtiment pour monter derrière. Par contre, j'ai faim. Enfin, j'ai faim. IRL est dans le jeu, hein, parce que j'ai pas pris la pastèque. Puis j'ai pas encore pris de pizza.
peu de pastèque, moi je suis bon. Mais du coup, Pizza voilà, pour la fin de 4 l'intro. fromages, hein, si vous voulez savoir ce que je préfère. Et puis j'aime bien le saumon aussi. Exactement. Mais pour finir l'argument, voilà, c'est ça. C'est à part tout, à part les armes à feu, peut être considéré. Ouais, mais la dague qui est plantée dans le dos du père, c'est pas de sa faute à elle. C'est vrai, c'est une dague à la base, c'est fait pour dépecer des choses, couper des aliments et te nourrir avec. Je peux me TP sur toi? Oui, du coup, oui, parce que j'ai réussi à C'est rentrer pour dans mon le. bien-être mental. Voilà, j'ai Voilà, réussi à bien rentrer dans joué. le. Tu vois, c'était pas. C'était sur l'extérieur. Et là, Oh, donc, à facile, l'étage. oui. Oui, non, non, mais à l'étage, je regarde, paf. Ta-da-da-da. Yeah. Il y a même deux lits. Il y a même un lit. Bob, viens. Oh Viens non, 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 viens manger l'oreiller. non, non, non. Ah, si, on va pas leur refaire la suite de Romulo et Giuliano, là, c'est juste honteux. Ah là là. Ah! Roméo et Giuliano, référence à un des premiers Fantabob Show avec Kygiar que vous pouvez apprécier, dont vous pouvez apprécier l'apparition avec Unster Blincher dans le générique qui a été fait par Obisam. Tout à fait, mon cher Pierre-Augustin. Ça fait toujours marrer cet accent, pardon. Ah, bah voilà, palalala, la tour est en or au passage. Qu'est-ce qu'il Yeah! y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah un cube de laine. Ouais, formidable. Palalala. Alors, je vais essayer de survivre à ton apocalypse, mon petit Bob, et me rendre. On va essayer de se faire le verre? Ou alors, Ouais, est-ce qu'on va directement essayer de se faire le donjon sous le point de spawn? On devrait avoir assez de cubes. on va essayer de se faire le verre. On fait ça Après proprement. avoir fait un laus sur les On armes. fiche comme des gros chiens, hein, on est d'accord, mais on s'en fout, on est là pour le lols. Hein, si. J'annonce, hein, si on avait Eh ben. moyen de. Parce que j'ai toujours la main sur le chrono et que je sais combien de temps on va faire les épisodes, mon petit Bob, je te laisse exploser ça et on va faire une petite transition et on en fera trois parce qu'on est des fous. Oh, on est Et des vous les malades. aurez le même jour parce qu'on est des fous. Voilà. Exactement, et ça vous donnera plein de Minecraft pendant que nous, on sera aux Bahamas hein, avec Oui, l'argent de machin. vos parents durement gagnés des impôts. Et Que d'ailleurs vous trouverez mon Ah, c'est rib ça, c'est ça. dans le descriptif de l'épisode. Dans le descriptif. Ah, là, je suis content, Viens de mon bien côté chargé si tu vois. J'ai bien chargé le Fantaliban. Je cherche l'endroit par où fuir. Préalablement, hein, de manière à pas me retrouver comme un dindon. Tu es où, Par François? ici, voilà. Ah, et je te vois. Ok, Coucou, ok, 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 coucou, ok, 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 coucou, ok. Julenan. Fanta, c'est moi! Y, ah! Da-da-da-da! Excellent, excellent. Quelles images! Et ben, on se retrouve pour la suite immédiate pour nous et pour vous dans le temps qu'on va gérer pour faire les uploads. Et puis, à très bientôt! Un plaisir.